www.maurice-info.mu. Réachetez, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité de l'écho du mercredi cette semaine. Dans quelques heures, nous pouvons parler d'un nouveau budget, nous parlons d'un nouveau l'année financière. Vous avez l'impression de ce budget-là, ce budget qui nous passe là, pour nous rentrer un peu dans l'aspiration. Vous prenez un peu négatif dans l'aspiration. On a répondu à une question la semaine dernière, quand c'est une conférence de presse. Dernier budget, qui vous dire? Bon, moi personnellement, mon pensée, Pravin Jagnat, pour jouer ce dernier code dans sa budget là. C'est sa budget là qui peut déterminer est-ce qu'il je prends un deuxième mandat. Qui fait, nous passons 2 ans avec des budgets qui finissent dans la déclaration de bonne intention. Non, ni du monde pas trouvé. Une cause, combien de milliers d'emplois pour créer avec Smart City, non, ni nous pas trouvé. Sa budget là, j'ai un mandat de mesure concret. Et Pravin Jagnat conscient qu'il est morceau de ça. Qui fait? Parce que pendant 2 ans là, il y a beaucoup de scandales. A commencer les liens avec Bandimoun fiché comme étant Bandourou dans le monde criminel, il y a trafic d'influence, il y a aussi politique de petits copains. Que Zakop est porté sur le montant. Donc, les budgets viennent avec un budget qui démontre les amène une budget corrective pour qui encourage la population pour penser autrement, pour penser bien les lits. Donc, il prend une grande, une lourde tâche. Surtout que la campagne électorale qui amène les autres au pouvoir aujourd'hui fin faire le critique de l'ancien régime. Je dis, du monde peut cause népotisme, parce qu'il nous trouve les mêmes affaires qui parlent. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'il y a un nouveau élément qui beaucoup de monde fait la réponse, je n'ai pas doute, dans la tête, c'est qu'en même temps, ce gouvernement-là peut faire tout, peut même penser pour aller devant la Cour internationale de l'AE pour le problème de Diego Garcia. Maintenant, il y a une noireté, une obscurité totale, le lien Maurice Lenne à Galiga. Du monde pas envie de revivre sa histoire. Donc le cahier de choses de Pravin Jagnat finit augmenter. Le cahier de choses de Pravin Jagnat finit augmenter. Et personnellement, je suis très pessimiste qu'il est capable de venir avec un budget pour convaincre la majorité qu'il peut faire la politique autrement. Justement, ça peut venir souvent dans une rhétorique, mais une moderne rhétorique, faire la politique autrement. Tout le monde peut demander, peut dire, peut faire la politique autrement. Nouveau parti, un parti qui est dans le gouvernement, un parti extra-parlementaire. Mais comment la CTSP peut répondre? Moi, l'autre jour, la politique, comment je t'envie, comment je trouve la politique autrement au niveau du syndicat? Vous voyez, Maurice, ce n'est pas une exception. Sa vague, sa demande, là, il n'est pas juste Maurice, il hantait les mondes. Ce qu'on trouvait arrivé dans la France. Même en Amérique, quand Trump est venu, c'est la population qui demande une autre politique. Peut-être c'est base de populisme, mais Dimon Perron est une nouvelle formule. Parce que la vieille formule du capitalisme à outrance n'est plus morte. À Maurice, nous pouvons passer dans une situation que l'immoralité peut éviter le pain de tous les jours. Et il paraît comment dire normal. Et n'a dit mon pépé dire, je plaide nouveau régime, je dis plutôt Ramboulam, parce que ça 220 millions là, pas nous prendre à la caisse d'État. Commission ça. Comment dire, c'est une fatalité qui nous vient accepter. Donc, je dis, ben, dit mon qui réfléchit, peut trouve qu'il nous parle d'une dérive qui prennent l'impact de nos sociétés, de nos cultures, de tout. Déjà, nous taxer pour être une nation de rendez à bout. Je dis, ben, même si j'étais dans un diplôme, mes parents, même des autres,
nous bien qu'il y ait une icône qui gagne, ça dit qu'on a qu'à peine des morts sur toi, ça l'est grave. Donc quand nous pédions bien faire la politique autrement, c'est qu'il y a un problème qui vient adresser. Moi, donne-nous un exemple. Tout le monde dans le pays n'a pas de prendre compte ce qu'on appelle l'économie 4.0, qui veut dire nous passons la quatrième phase d'industrialisation, quand l'économie artificielle vient un composant majeur dans nos outils de production. Je vais donner un simple exemple. Aujourd'hui, la banque, le secteur financier, vient réduire 50% de personnel. Parce que je finis amener ma nouvelle machine. Je finis amener l'intelligence artificielle, un robot qui ne remplace du monde. Ce résultat, ça 50% du monde qui n'est plus travail, qui finit censé, c'est 50% baisse de revenus dans la caisse de l'État. Parce que ça, quand je ne paye pas travail, je ne paye pas taxes. Nous faisons un passeport à une surtaxation de la classe moyenne. Ce qui nous peut vivre aujourd'hui, un appauvrissement de la classe moyenne. Comment régler ce problème-là? Est-ce qu'il nous reste tranquille, nous laisse la robotisation prendre la place et un grand groupe privé, je profite, sorti centaines de millions, peut-être une milliard pour les banques. Donc, il arrive grand temps aujourd'hui qui est dans un débat fait dans la direction-là et dire que c'est l'entreprise qui peut passer, qui peut remplacer du monde par un robot, je vais payer ma taxe. Je vais payer ma taxe aux autres revenus. Parce que pour eux, je peux rentrer dans une logique de profitabilité de l'absolu. Le robot, il travaille n'importe qui l'est. Il travaille. Quand on dit on met les on met les off. Paris, moi, mon ATM, je dis, ou tu es casse 24-7. Si tu viens payer 10 mounes, imagine-nous combien tu viens payer. Vous connaissez combien de profits la banque peut faire ça. Nous pas qu'à question. Donc, Bizet est une idée révolutionnaire pour amener une position progressiste dans la société. Dans les autres pays, peut finir comment on discute. Revenu universel qui découle de ça. Si on choisit un métro beau, bien un problème, mais vous avez payé une taxe à l'État et l'État en contrepartie prend sa logement là pour subventionner des hérités dans la société. C'est ça qu'on appelle faire politique autrement de l'autre côté. Si on a envie d'amener plus de justice sociale, la base dans Maurice qui empêche une bonne justice sociale, c'est la corruption et trafic d'influence. Je dis parce qu'il me finance sa partie politique là, une fois qu'il est au pouvoir, il vient passer la loi qui protège moi. Au détriment de man dimoun, très pauvre, extrêmement pauvre de la société. Donc la base, bien ta problème, financement, parti politique. Et je tout peux faire musical tiers ça. Ou pas qu'à cause justice sociale, ou pas qu'à tacler le problème de la pauvreté sans qu'il y ait une base solide de justice sociale. C'est ça qui bloque le budget. Mais justement, la CDSP nous finit tout le temps en avance, nous sommes en point là. Nous avons même combat pour qui régularise financement parti politique depuis 2006, ensemble avec Transparency International. Un peu rare qui trouve un syndicat rentre le sémantisé comme ça là. À chaque fois, nous avons un problème de portable servants à la Wensfeld. Parce qu'il y a un patron, une rôle de pouvoir absolu, tout ailleurs et ailleurs. Tout problème est la solution. Mais bien un courage politique. Je dis ça courage à Péina, parce qu'il fait la politique, c'est un business. Je gagne l'argent avant l'élection. Après l'élection, casse rester. Mon dieli, mon père dieli. Si après l'élection, il y a 220 millions dans le coffre Rangoulam. Avant l'élection, combien tu as? La justice répond ça. Mais alors, ça montre où qui politique aujourd'hui, c'est un business. Nous qui le business, nous retournons un peu dans le budget. Qui est le syndicat sur Péatan? Syndicat, c'est-à-dire le monde syndicat. Moi, je ne peux pas dire où est le Péatan. D'abord,
besoin mettre une base pour qu'il y ait la justice sociale. La première chose, d'une façon ou d'une autre, vous avez des problèmes financement parti politique, pour qu'il y ait des décideurs politiques, vous êtes l'armée, vous êtes les pieds libres, vous êtes capable de prendre des décisions qui vous aident. Deuxième, besoin de venir avec un mécanisme pour rassurer qui est une distribution correcte de la richesse. Et ça, on pas capable de faire li, si pouvoir patronat beaucoup plus fort que pouvoir travailler. En langue technique, on appelle ça besoin rétablissement between labor and capital. Comment on peut faire ça? Besoin qui aujourd'hui, quand un travailleur réclame support du gâteau, support de la richesse, il y a sa bargaining power là pour faire ça. Ça, tu peux faire à travers négociation collective. Malheureusement, le système tel quel, travailleur paye pour rentrer dans le syndicat parce qu'ils ont le contrat. Juste 17% du monde syndiqué dans Maurice, y compris fonctionnaires là-dedans. Donc, on attend une négociation collective dans un pas pour changer. Bizet introduit une négociation sectorielle. Pareil comme la CTSP fait dans la construction. Tout le patron secteur construction, assisé avec le syndicat, discuter sans l'intervention de l'État. Bargaining power égal. Et pour faire ça, besoin introduire representational status. Arrêter qu'il m'a besoin de 30% pour moi négocier avec le patron là. Je n'ai pas envie de négocier avec le patron là. Je veux négocier au niveau national. Donc n'importe qui est capable de être membre d'un syndicat, lui payer, il peut payer sans Tchekov, pas besoin que le patron là connaît. Introduire representational status. Deuxième mesure, besoin qui, après le minimum wage, nous introduire un wage ratio. Il n'est pas normal qu'un travailleur paye 5 000 roupies, son patron gagne 1 million roupies. Donc, dans l'État de Californie, par exemple, je vais introduire un wage ratio et quand l'entreprise saute sa ratio-là, je paye une taxe. C'est un incentive pour remplacer ou payer taxe ou redistribuer qu'à ça et comment travailler. Donc après salaire minimal, Bizet vient avec le wage ratio. Troisième élément, Bizet qui, une fois pour toutes, politiciens, citoyens, patronat, comprend qu'il c'est responsabilité d'un patron quand il travaille, il travaille côté lui, les rassurer qui quand ça travaille là à la retraite, ils vivent confortablement. Parce que s'il n'est pas vivre confortablement, il pour retourner sur le marché du travail, la jeunesse pas pour gagner un travail, comme est le cas aujourd'hui. Donc, besoin régler contribution dans fonds de pension, contribution besoin faire l'ON plafond et non pas le salaire de base. Capable faire l'ON plafond ou soit faire l'ON rémunération. Ça veut dire salaire qui dit que l'on gagne ou contribuer un pourcentage. L'ON là, ça dit que là, quand il y a la retraite, il y a une pension correcte. Ensemble avec ça, nous introduisons le Portable Severance Allowance Fund. Ou pour encourager la mobilité. Ou pour donner pouvoir à l'entreprise, licencier du monde là quand il n'est plus bizarre. Mais travailler là, il prend ce mandu d'une façon portative. Il y a maintenant, dans ce cas, il y a 110-20 employés. La fin, ce cas, tout le monde dans Maurice avec dignité pour les autres l'absorbe. Quatrième élément, c'est qui est important, comment on dit, taxer dans l'entreprise qui remplace le monde par robot. Cinquième élément, il ne faut pas nous cause gender equity comme un slogan. Bizet qui donne la loi, le recrutement et une parité. Le métier que madame est capable de faire, les besoins aujourd'hui une obligation pour un employeur recrute autant de femmes qu'ils ont. Parce que le chômage des femmes plus que les hommes, et intellectuellement, c'est une femme qui gagne meilleur résultat dans un SI, dans un HS. Hi ladies and gentlemen, this is Delhi School of Magic coming for the first time in Mauritius. Get ready to experience a fabulous mesmerizing magical family entertainment shows with Kettle's Entertainment in collaboration with ZTV giving you this show at J&J Auditorium on 9th and 10th June 2017. You can teach me a lot.
You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life? Ça m'a chiffré qui peut dire les factual evidence. Factual evidence. Si nous passons pas à 5 mesures qui CTSPP proposé là, ah ben, Pravin Jagnat, tu as racié les pour gagner un peu de monde. Donc, on finit de donner la formule et qui va travailler peut-être à nous, je vais travailler. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a toutes les semaines où vous pouvez aller à Dieu, vous pouvez causer la grève. Justement. Et si vous travaillez, vous employez, vous avez tellement de noms, de talents, vous avez besoin de talents, qui ça vous avez attendu là, selon vos connaissances? Première quelque chose qui travaille et attendre, qui vous reconnaît lui comme un citoyen de ce pays-là. Et non pas où vous travaillez, vous avez compétence avec un Bangladesh ou un Népal. Parce qu'ils ne sont pas pareils, ils ne sont pas dans la même situation. Un travailleur étranger, quand il vient là, il paye dans social et family burden. Donc, il travaille 24/7. Donc, ou pas qu'il existe un Mauricien qui lui faisait un travail égal, il néglige sa famille. Après, on fait hypocrite, ou bien cause violence domestique, les enfants qui allent dans la drogue, mais ou pas payer d'un sens sa parole en passant une responsabilité. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, bon travailleur, jeune intéressé, qui se dépit sous le joug du patronat. Qui veut dire, si le portable Severance Allowance Fund rentre, travailler là, il peut y avoir une certaine sécurité dans ce latin. Il connaît, quand il peut mettre l'idée, il n'y a pas de perdre. L'État vient créer un système national. C'est qui le ministre a annoncé un pôle emploi et c'est lui qui besoin recanalise Bandimoun partout. Troisième chose, c'est qui l'important aujourd'hui la transparence. Finis à l'époque qui, quand on rentre dans une négociation collective, le patron cache des data protection act et il parle de dire qui salaire qui peut payer sa managerial level. Là. La loi besoin amendée. Besoin et la transparence pour qu'il soit capable de causer la richesse comment pour distribuer. Quatrième chose, qui m'a travaillé très attaché avec ça. J'ai envie qu'il y ait une méritocratie. Arrêtez que chaque ministre, il y en a 100, 200 du monde qui a fait un travail. Bien arrêter ça. Et pour faire ça, il faut que les ministres viennent redevables. Il faut qu'il y ait plus de transparence au niveau PSC qu'on peut recruter. Il faut éliminer cet élément qui ministre capable d'avoir du monde pour faire recruter. Bizet, nous strictier, transparent, y compris dans le secteur privé. Aujourd'hui, ou dans l'entreprise, on trouve, et là, c'est une communauté là-dedans. Ou dans la banque, on trouve une autre communauté. Tout le monde trouve une clé à ça. Bien sensé ça. Parce que la jeunesse n'est pas communale dans l'âme. Je tout vivre ensemble et c'est ce qui fait fierté du pays. Dernière question, surtout, parce que je connais vous très occupé. Il y a un jugement sorti à Singapour, le gouvernement, le ministre des Finances pour vous être aux 5 milliards, parce que c'est une litigation, une arbitration, vous connaissez Samuel Moula mieux que moi. Alors, est-ce que tout ça 5 milliards, vous passez, ça vous, d'après vous, vous passez dans le budget actuel ou bien vous mettez ça dans le prochain budget? Donc, il y a déjà un trou de 5 milliards, il est obligé de tirer là, pas pour à contester là. Moi, mon pensée, c'est l'intelligent, ou capable de demander une chose de ce paiement. Ça veut dire, ou dealer le paiement là, ou pas nécessaire payer tout un coup, ou bien passe en partie dans sa budget là, et ou trouve ben, les autres moyens pour qu'ils aient définitivement, si vous payez 5 milliards tout de suite là, ils prennent trou
et ça n'est pas pour bon pour personne. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une difficulté au départ avant le budget là commencer même il y a une difficulté. On a un boulet 5 milliards qui vous besoin. Et un boulet 5 milliards. Comment tu appelles la réaction du monde politique, du monde économique ou ça les affaires qu'on appelle les affaires bêtement. Moi je trouve il y a une hypocrisie dans l'air. D'ailleurs tout le temps mondial. Où vous trouvez ça là? Demain tantôt ou vendredi. Tout gouvernement qui est venu, tout de suite après, quand vous êtes fini par votre budget, il y a un plateau composé de professionnels. Souvent, des fois, un économiste. Tout le temps, je trouve tout budget bon. Qui fait? Parce qu'il est dans votre lame, il est dans votre gêne, ça. Je bizarre, pas ferme la porte avec personne. Je ne viens pas froisse aucun pouvoir politique. C'est ça qui nous fait trouver dans le pays. Et il y a une hypocrisie, parce qu'à la fois, du monde moralement pas d'accord aux façons qui Ramboulam nous fait contrat pour Betamax, mais de l'autre côté, le nouveau régime fait mal handle ça. Fait faire des affaires vite, je ne sais pas protéger d'assez. Même affaire BAI capable d'arriver. Donc, je dis, quelque part, le monde des affaires, les professionnels, je te sens ils sont en partie coupables là-dedans. Parce que quelque part, quand Fin prend décision contre Betamax, mais quelque part, je te dis, c'est une mari décision. Mon père me dit où qui participe mettre dossier Betamax sur la table, mais peut-être qu'il vient d'une façon avec plus de lucidité, rassurer que nous banons hier, protéger, les là nous bouger. Mais c'est le prix à payer. Je suppose que je fais appel. Pourquoi faire l'appel à l'arbitration? Vous connaissez bien l'appel à l'arbitration? Vous connaissez bien l'arbitration? Vous connaissez l'arbitration? C'est comme ça. Hein. Alors, en litige d'arbitration, c'est-à-dire, vous acceptez ces clients. C'est-à-dire, soit gagné, soit perdu. Pendant l'appel, il n'y a pas comme un accord industriel. Donc. Mais définitivement, je vous ai demandé un délai. Ça, vous ne pouvez pas faire. Bien, c'est tout. Merci beaucoup. De rien. Hi ladies and gentlemen, this is Delhi School of Magic coming for the first time in Mauritius. Get ready to experience a fabulous, mesmerizing, magical family entertainment show with Kegler's Entertainment in collaboration with ZTV, giving you this show at J&J Auditorium on 9th and 10th June 2017.